j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième spoiler du calendrier de l'Avent The Body Shop qu'il propose. Donc, à savoir, il y en a trois comme chaque année. Je vous ai déjà spoilé le premier calendrier de l'Avent qui est vendu au prix le plus bas, c'est-à-dire 55 €. C'était la boîte à souhait. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo de ce spoiler-là. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour le deuxième de chez The Body Shop qui s'intitule La boîte à merveille. C'est celui qui est entre deux. Pas le moins cher ni le plus cher, juste au milieu. Donc il est vendu en fait au prix de 90 € celui-ci et sa valeur est de 155 €. Vous allez pouvoir économiser 42%. Niveau présentation du calendrier de l'Avent, il ressemble au précédent, donc au moins cher, à la boîte à souhait, sauf que la couleur elle change, celui-ci est de couleur rouge. C'est sous format de tiroir et également de petites boîtes que vous allez d'ailleurs pouvoir recycler et faire autre chose avec si ça vous intéresse. Ou même pourquoi pas fabriquer un autre calendrier de l'Avent à un de vos proches, ça peut être sympa. Et donc, vous allez retrouver à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent 25 surprises. Contrairement au précédent que je vous ai présenté, il n'y en a que 24 à l'intérieur. Donc, il y en a un de plus pour celui-ci. Pour celles qui ont vu ma vidéo spoiler The Body Shop, la boîte à souhait, vous avez pu voir qu'on nous a emmenés vers l'Inde. Pour ce calendrier, la boîte à merveille, The Body Shop va nous transporter dans l'univers des femmes du nord du Ghana, c'est-à-dire en Afrique, avec qui il travaille pour la récolte du beurre de karité certifié commerce équitable. Donc on va passer de suite au contenu. Comme toujours, j'essaye de vous mettre des petits visuels de chacun des produits, même si ce n'est pas toujours évident de trouver les formats adéquats. Je fais de mon mieux. Donc tout d'abord, il y aura le baume main karité qui sera un 30 ml. Alors là, forcément, dans ce calendrier de l'Avent, vous allez retrouver des formats un peu plus généreux que le calendrier, la boîte à souhait, forcément, étant donné qu'il est quand même un peu plus cher. Ensuite, il y aura le stick baume à lèvres avocat qui sera un 4,2 g. Le gel douche fraise qui sera un 60 ml. Des lingettes mousseline camomille, le beurre démaquillant sublime à la camomille également qui sera un 20 ml, le masque tissu hydratant à l'aloe vera qui est un 18 ml, le gommage corps British Rose un 50 ml, une fleur de douche en ramli, le masque purifiant charbon de bois de l'Himalaya qui sera un 15 ml, un shampoing réparateur karité qui lui sera un 250 ml. Effectivement, le format est beaucoup plus grand parce qu'il y a également le shampoing là dans l'autre calendrier de l'Avent, mais en format plus petit. En même temps, ça me semble un peu logique. Une crème de douche à l'avocat qui lui sera un 60 ml. Le beurre corps mangue 50 ml. La crème de douche lait d'amande qui lui sera un 60 ml. Un bandeau à cheveux. Alors, je suis pas certaine de vous trouver la photo du bandeau. Voilà. Un masque éveil café du Nicaragua qui sera un 15 ml. Moi, j'adore les produits de beauté à base de café. Franchement, j'en raffole de cette senteur. Le savon lait d'amande qui sera un 100 g. Un gel douche pamplemousse rose qui sera un 60 ml. Je suis trop fan de ce gel douche là. Je kiffe de ouf. Le masque tissu éclat vitamine C 18 ml. Alors celui-là, je l'ai déjà testé et franchement, j'adhère complètement. Le gommage corps à l'avocat qui lui sera un 50 ml. Le gel douche British Rose 60 ml. Une crème main British Rose 30 ml. Un masque tissu hydratant vitamine E 18 ml. Le beurre corps karité 50 ml. L'exfoliant nuit charbon de bois de l'Himalaya 30 ml.
et le baume massage inspiration qui lui sera un 75 ml. Et donc voilà, concernant le contenu de ce deuxième calendrier de l'Avent de The Body Shop, la boîte à merveilles 2022. Maintenant j'attends tous vos commentaires, comme toujours dites-moi ce que vous en pensez, allez-vous acheter celui-ci ou plutôt le premier, le troisième, je vais vous le spoiler très très vite également. Comme dit, moi je ne prends pas de calendrier de l'Avent The Body Shop cette année, non pas parce que je n'aime pas cette marque, loin de là, c'est une marque chouchou, je l'aime énormément, j'adore trop leur senteur niveau produits de beauté, que ce soit les gels douche, les shampoings, enfin franchement je raffole de leur odeur. Mais voilà, c'est pour d'autres raisons que je ne vais pas non plus répertorier à nouveau, surtout si vous avez déjà vu ma première vidéo. Mais niveau contenu, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Les produits sont vraiment très très bien. J'en connais déjà plusieurs. Ça aussi, je pense que certaines qui ont déjà testé leur calendrier de l'Avent, vous retrouvez forcément certains de leurs produits. Mais bon, en même temps, voilà, quand on connaît la marque The Body Shop, après c'est sûr, on ne fait plus non plus de grandes découvertes. Mais voilà, leurs produits restent vraiment très très bien. Enfin, moi, je suis une grande fan de la marque The Body Shop. Enfin voilà pour ce qui est de cette vidéo là, je vais vous retrouver très très vite pour le prochain spoiler, le dernier spoiler du calendrier de l'Avent The Body Shop, la boîte à souhait et merveille. Allez, à très très vite.